Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour remercier Primo, toutes les personnes qui se sont abonnées à mon TikTok. Dis merci à toutes ces personnes-là, même qui likent mes TikTok, qui partagent, qui les commentent, tout ça, tout ça. Voilà, je tenais à vous dire merci beaucoup. Vous êtes des amours, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Et puis, secondo, si je fais cette petite vidéo, c'est pour manifester un ras-le-bol. Voilà. Vis-à-vis de la communauté africaine ici en France. Voilà. C'est par rapport à mon frère Poutou qui a organisé les Oscars des blogueurs hier. Franchement, moi, j'ai vu quelques directs. C'était bien. C'était bien. Il y a des gens qui sont pleins. Voilà. C'est cela. Mais on ne peut pas être parfait partout. Voilà. Cette histoire d'Oscar, c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Mais personne n'a eu l'idée de faire les Oscars des blogueurs. C'est Apoutchou qui a eu l'initiative de le faire. Donc, ce qu'on devrait faire, au lieu de le critiquer, de rabaisser, de le casser dans cette idée qu'il a eue là, on ferait mieux de l'encourager. Voilà. Même s'il y a des petites failles, afin que à la prochaine édition, qu'il puisse s'améliorer. Mais il y a des gens qui sont là, vous n'avez pas l'initiative de faire les choses. Dès qu'il y a une de vos soeurs ou bien un de vos frères africains qui prend le devant pour faire les choses, vous, tout ce que vous savez faire, c'est de rabaisser la personne, essayer de gâter son commerce. Franchement, vous usez de toutes sortes de stratagèmes, de toutes sortes de méchanceté pour détruire la vie de cette personne-là. Même si cette personne est aimée par plein de gens, vous, ça vous énerve. Pourquoi pas vous, mais que c'est l'autre, ça vous énerve. Donc, tant que vous pouvez gâter, diffamer, rabaisser les gens, humilier les gens, vous le faites. Non, mais je vois les commentaires qui fusent de partout. Vous aimez ça? On peut critiquer. On peut faire des critiques pour apporter des choses pour que la personne s'améliore, mais pas des critiques pour rabaisser, pour humilier, pour dire, oh, c'était pas bien, on avait soif, on avait faim. Mais pourquoi tu ne manges pas chez toi avant de venir là? On t'a pas dit que c'était Oscar de nourriture. On t'a dit Oscar des blogueurs. Les gens viennent, ils s'amusent, voilà. Tu viens, tu prends ton prix et tout ça. Donc franchement, la communauté africaine, on ferait mieux de se serrer les coudes. Quand une personne a eu l'idée de faire quelque chose, de promouvoir peut-être des choses de l'Afrique ici en Europe, bon, moi je suis en France, ici en France, vous ferez mieux d'encourager la personne plutôt que de critiquer pour rabaisser, pour humilier. Franchement, vous exagérez quoi. Vous exagérez. Il a eu l'idée. C'est vrai que ça existait, mais c'est lui qui a eu l'idée. On ferait mieux de l'encourager. Hein? Plutôt que de le rabaisser, du n'importe quoi. Ouais, ça n'a même pas réussi. Ouais, c'est là. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Voilà, c'était mon coup de gueule. Je fais des gros gros bisous. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein? Allez, ciao. Bisous, la famille. À bientôt.